tous, bienvenue pour une nouvelle aventure sur YouTubers Live. Mesdames et messieurs, je suis content, je suis hypé. On y avait joué il y a très longtemps. Ça fait quoi, 5-6 ans j'imagine, que le premier était sorti. J'avais adoré, c'était le premier jeu qui permettait justement de jouer dans la vie d'un YouTuber star, n'est-ce pas. Et du coup, c'est avec grand plaisir qu'on retourne. Apparemment celui-ci est hyper complet, vraiment ils ont eu, du coup, on passe d'un petit jeu indé à un jeu un peu plus complet. Et je suis hypé sa maman, ça sortira en épisode régulièrement, y'a pas de raison. Et je rappelle twitch.tv/nifexsuite, où on en live tous les jours, on se fait plaisir, n'est-ce pas. Enfin, oh là là, si seulement je pouvais avoir une maison comme ça. Qui, du coup, ça reprend la maison du 1. Ça, c'est la maison du 1, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que du coup, c'est un clin d'œil? Oui, c'est ça, en fait, je suis en train de jouer à YouTubers 1. Si je dis pas de bêtises. Vous avez gagné, ouais, c'était à la fin. Exactement, ça, c'est la fin de YouTubers. C'est d'ailleurs qui s'appelait Oh My God, après, c'est mise à jour avec plusieurs... je crois qu'il y avait du chant, la cuisine, etc. Et du coup, c'est la fin du jeu. Tu es le premier à terminer YouTubers Live, une expérience sociale pour dénicher les futurs YouTubers les plus prometteurs. Ton potentiel a attiré notre attention et nous t'offrons donc un billet en or pour venir vivre à YouTube City, la ville où vivent les meilleurs YouTubers, l'endroit idéal pour construire ta carrière. Comment s'appelle en France cette ville? Ça serait... comment s'appelle celle où il y a la Redbox? T'as la moitié YouTubers qui sont là-bas littéralement. Si tu acceptes l'invitation, je t'y attendrai pour te guider dans cette nouvelle aventure. Acceptes-tu le défi? Ah, j'ai tellement envie de l'envoyer bouler, de dire non. Ah merde! Ah le chat, aidez-moi! J'ai qu'une envie, c'est de lui dire non. Je sais pas, est-ce que c'est genre un peu à la Far Cry où au début du jeu, t'as une fin de game, tu dis non et puis dis fin du jeu, merci beaucoup. Bon, bah du coup, le chat est d'accord avec moi, forcément, on va lui dire non. Est-ce qu'on a un game over? Je pense que c'est vraiment à la Far Cry où au début du jeu, t'as un game over. Enfin, game over, plutôt une fin de jeu. C'était littéralement ça. Bon, petit easter egg sympathique, je valide. Ça fait vraiment penser justement à toutes ces fins au tout début des Far Cry. N'est-ce pas? D'ailleurs, on n'a pas fait la fin de Far Cry 6 du début. Je voudrais voir si c'est faisable. N'est-ce pas? Bon, bah du coup, on va peut-être lui dire oui quand même. Ça serait bien. Alors, est-ce que cette fois, j'accepte le défi? C'est le gars qui est vraiment têtu. Il refuse jusqu'au bout. Bah, j'ai pas trop le choix. Où voulez-vous vivre? Centre-ville, le quartier high-tech connu pour ses magasins de jeux vidéo, de composants informatiques et sa salle de sport. Hôtel de ville, centre-ville, ok, donc c'est différents quartiers. Le port, quartier de la détente, c'est le quartier le plus moderne et qui est réputé pour ses coiffeurs, ses restaurants de plage et son club privé. Hôtel de ville, le quartier le plus traditionnel, il se distingue par ses boutiques et son restaurant de luxe. La foire itinérante, c'est l'hôtel de la ville. L'hôtel de ville. Je n'ai aucune idée. Ce que je vois surtout, c'est que là, il y a des magasins informatiques. Donc forcément, c'est plus attrayant. Le chat, vous choisissez. Eh bien, on me propose le centre-ville, let's go. Est-ce que le quartier dans lequel vous aimeriez aménager pour commencer votre nouvelle vie? Oui, totalement. J'aime le centre-ville, je suis un jeune moderne et à la mode, n'est-ce pas? Nous allons commencer oula, c'est compliqué par les Français des fois, à apprêter ton appartement. En même temps, est-ce que je dis souvent le mot apprêter dans ma vraie vie? Pas vraiment. Habille-toi comme un vrai YouTuber et on se verra là-bas. Tout le monde sait que le style YouTuber, c'est un style particulier. T'as vraiment un design de YouTuber. C'est, on le sait tous. Bah déjà, il faut être gros pour commencer. Bah attends, on va être une fille. Enfin, c'est compliqué, parce que j'ai envie de te dire. Les filles ont un gros avantage. Enfin, des gros avantages. Mais inconvénient, dans le gaming, en attendant, quand tu prends le top des plus gros gamers, youtubeurs ou streamers, c'est vrai que c'est quand même à 90% rempli d'hommes. Ce qui est assez ironique quand tu sais que, pourtant, voilà. Du coup, est-ce qu'on partirait plutôt sur une fille? Moi, j'ai envie d'être une fille, monsieur. Enfin, dit comme ça, c'est très bizarre. Et je peux mettre une fille rose. Si ça, c'est pas incroyable. Ok, ils sont vraiment ouverts à toutes les possibilités. Et ça, c'est beau, monsieur. Bah, écoute, on va être un caucasien, tout ce qui est le plus classique. Voyez-vous. Ça me paraît bon. Alors, monsieur. Nous sommes belles. Nous sommes sexy. Nous sommes suédoises, forcément. Qui mieux que les suédoises pour réussir dans le Twitch game? Je vous le demande. Forcément, ah bah attends, j'ai... D'accord, je crois que c'est des trucs bizarres, mais en fait non, c'est totalement choupinou. Peut-être pas être agressif comme ça. Je pense qu'on va être un cliché, littéralement, de streameuse Twitch. On va être une véritable e-girl, messieurs. Une véritable e-girl et une e-girl a une bouche à... Voilà, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, ensuite, une e-girl a forcément une énorme barbe. Vous pensez bien, c'est la base d'une e-girl. Non, tu vas éviter. Ensuite, niveau coiffure. Une e-girl a quoi comme coiffure, messieurs? Aidez-moi le chat, moi je suis pas un admirateur de e-girl, je passe pas mes journées à regarder ça sur Twitch. Alors que vous, on le sait très bien.
On sait ce que vous faites les soirs, messieurs. Je pense qu'on va partir vraiment sur le cliché. Le cliché du e-girl, quoi. Longs cheveux. Tout le monde sait qu'une femme avec des longs cheveux est forcément une e-girl. Pas du tout. Je précise parce que bon, il y a des pigeons qui sont toujours présents. Forcément, on est blonde parce qu'on est une e-girl. N'est-ce pas? C'est toujours important. Être une fille, c'est lancer le jeu en mode facile. Le bâtard. Coucou, monsieur Free. Vous allez bien? Effectivement! C'est pour ça, c'est toute l'ironie de la chose. C'est être en une e-girl, c'est lancer en mode facile. Mais pourtant, tu prends le top streamer. C'est pas des filles. C'est toute l'ironie de la chose. Par contre, une e-girl. Putain, il y a des trucs, c'est incroyable. Une e-girl, ça a des lunettes ou pas? Ça fait un peu geek, mais le problème, c'est qu'elles sont pas folles. T'as ça qui donne un petit côté un peu. Voilà! Mais je suis pas convaincu, disons. Je sais pas ce que vous en pensez, je crois que les lunettes on va éviter. Elle a une crête. J'avoue que la crête était sympa, mais moi je veux une e-girl, monsieur. Une e-girl n'a pas de crête, vous le savez bien. Écouteur. Ah bah forcément, oui, forcément on est une e-girl. On a les fameux casques avec les oreilles de la parose. Vous êtes bêtes aussi, faites pas d'efforts. Vous savez bien que c'est comme ça une e-girl. Et forcément en rose, parce qu'on est une fille. Y a pas de raison. Écouteur, torse. On est une e-girl, je vous ai dit, bordel, vous écoutez ou pas? Voilà, c'est ça être une e-girl, monsieur. Ah bah attends, du coup, le jeu me propose de pas mettre de haut, forcément. Vous me laissez pas vraiment le choix, là. Comment tu veux que je m'habille? Forcément. On est une e-girl, bordel. T'écoutes un petit peu. Ah, par contre, le pantalon, il nous laisse pas. C'est petit joueur, ça. Attends, c'est pas le pantalon. Attends, du coup, j'ai peur. J'ose... Non, ça fait enfant, ça fait un peu bizarre parce que la fille a un côté un peu enfant, du coup c'est un peu perturbant. On va éviter. Du coup, on va quand même lui mettre des habits. Parce que bon. Non, mais ils sont sérieux? Bah écoute, vraiment, là on a 1000 mètres en jeu, en mode easy, facile. Si avec ça, on cartonne pas direct, je ne m'y connais pas, monsieur. C'est vraiment la tenue idéale pour commencer. Forcément en rose. Ah, ça rend pas très très bien en rose. On part sur quoi, messieurs? Est-ce que... En rouge, pour un petit côté un peu... Ouais, vas-y. Mais du coup, le torse. Est-ce qu'on partirait sur autre chose? Histoire de pouvoir choisir la couleur. Oh! Pas mal, ça! Ça évite d'être pas trop habillé. Est-ce que vous validez cette tenue? Perso, j'aime beaucoup. Comme ça, on reste une e-girl, mais sans être dans l'abus. La fille, c'est très ado et pas du tout adulte. Ouais, c'est le problème, justement. Donc, on va l'habiller. On va éviter les problèmes. Voyez-vous. Sinon, ça devient très bizarre et malsain. Alors, niveau chaussures. Une e-girl, ça porte quoi comme chaussures? Bah, ça porte pas de chaussures, globalement, parce que ça fait des choses bizarres avec ses pieds. Le problème, c'est que si on met pas de chaussures, ça fait un peu étrange. On a toujours la version un petit peu... Ouais, non, mais après, c'est qu'avec les collants, ça fait pas. Une e-girl, ça a ça, des chaussures comme ça, un peu, pour donner un style. C'est quoi les chaussures par défaut qu'il a mis? Je pense qu'on va partir sur un... Pour faire... Ah, mais vous voyez pas, forcément. C'est con, ça. Bah, écoute, vous allez me faire confiance, du coup. Bah, le problème, c'est que les pantoufles, vous arrivez pas à voir. Ah, voilà, c'est les chaussures. Le problème, c'est que si on lui met les tongs, bah, ça garde les collants. Et du coup, c'est pas beau. Enfin, je monte ça, mais sur l'enregistrement, à tous les coups, ça sera un peu bizarre parce que vous n'avez pas la même caméra que sur le live. Donc, peut-être que je monte pas le bon truc. Bah, c'est pour ça que du coup, faut lui mettre des chaussures. Donc, on va quand même lui mettre des chaussures, on n'est pas un monstre. Écoutez, c'est une e-girl, mais une e-girl qui a du style. Ouais, voyez-vous, ça, c'est une e-girl, monsieur. C'est comme ça que ça s'habille. Est-ce qu'il nous manque autre chose? Je crois qu'on est parfait comme ça. Attends, le casque, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un en rouge? Attends, mais celui-ci, mais en rouge, ça donnerait quoi? C'est mieux, non? Ça va mieux avec le reste. Ça a l'air d'aller mieux. Mais c'est totalement validé. Voilà notre e-girl. Créez votre personnage. Je peux mettre un nom? Il faut le chat, vous trouviez un nom de e-girl. Mais pas un vrai nom, s'il vous plaît. Mais un nom qui fait vraiment e-girl. Allez, je confirme. Nous sommes belles et une véritable e-girl. Êtes-vous satisfait de la sélection? Mais attends, mais comment créer une e-girl plus parfaite que ça? C'est pas possible. Littéralement. Par contre, je peux pas choisir un nom? Mon nom? Hello, bébé. Le problème, c'est que c'est un peu malsain parce qu'ils ont l'air vachement trop jeunes. Je sais que les gamins ont envie d'être youtubeurs, mais bon, ils auraient pu faire au moins des gens majeurs. Voyez-vous, histoire qu'on puisse rigoler, parce que là, ça fait un peu bizarre. Bienvenue à Newt.
J'allais dire un autre mot. J'allais prononcer le truc de façon un peu bizarre. Hey, salut toi. Ça devient encore plus bizarre parce que t'es un vieux qui est en train de parler à un enfant. Donc tu vas te calmer tout de suite, Xavier. T'es très bizarre. YouTube City, là, j'ai peur. J'ai clairement peur de cette ville. L'intérieur n'est pas très spacieux, mais ne t'inquiète pas, plus tard tu pourras le décorer. Bon, en gros, t'es pauvre, alors tu fermes bien ta gueule et t'as déjà la chance d'être venu. C'est à peu près ce qu'il est en train de nous dire. Entre maintenant, je te laisse un cadeau. Je dois y aller, on se revoit plus tard. Ah oui, effectivement! Wouh! Ça vend du rêve! J'ai bien fait de venir à YouTube City! Ça aurait été con de rater ça! Ok. Et en plus, on est vraiment sur une télé-réalité totalement dégueulasse, on est d'accord là. Et on a un putain de drone qui nous filme 24 heures sur 24. On est sur une ville d'influenceurs, d'Instagrammeurs là. De qu'on appelle ça là, les télé-réalités. C'est une fucking télé-réalité, les gars. C'est totalement malsain. Oh non, mais c'est horrible. Ils auraient pu au moins la faire majeure. Bip 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 bip. Je vous mate, je vous mate. Veuillez agrandir votre décolleté. Ce n'est pas valide. Un assistant d'enregistrement personnel. Oui, c'est bien le problème. Ça, j'ai les Marseillais à YouTube. Faut bien prononcer YouTube plutôt. Sinon, c'est bizarre. Attends, on a vraiment un drone qui. C'est magique. Si c'est le nom du drone. Gros pervers. Je sais pas si ça passe. Mais c'est obligé. Non, quoi? Eh, mais non, j'ai pas. Mais non, je veux te. Mais non, gros! Tu t'appelles gros et en plus c'est même pas juste les majuscules! Mais t'es sérieux? Laisse-moi changer ton nom! Gros! Mais laisse-moi changer ton nom, s'il te plaît! J'adore, gros! Mais non, mais il me laisse même pas le changer! Pourquoi j'ai pas pu sur en terre pourtant? Il me demande même pas de confirmer ou rien! J'espère qu'on peut changer après! Je serai là pour vous enregistrer et vous aider à chaque fois que vous aurez besoin de mon aide. Ok, gros. Première étape, apprendre à enregistrer des vidéos. C'est n'importe quoi. T'es sûr que tu vas recevoir des nudes de certains gros youtubeurs. Oh, ça envoie des pics, mais qui sont pas si faux. D'ailleurs, il y en a toujours un qui a disparu, qui risque plusieurs années de prison. Plus sorti de vidéo, on va bien sûr pas dire qui c'est, mais plus sorti de vidéo depuis un an. Et ça va sûrement finir en prison pour des années. Voyez-vous, ce n'est sûrement pas le seul. Du coup, le chat est extrêmement inspiré. Voyez-vous, on s'appellera donc Vanessa. Nous sommes une belle fille qui souhaite cartonner sur Twitch. Et notre chaîne, du coup, sera Vanessa. Parce qu'on fait du sale, n'est-ce pas? Il faut vraiment le préciser. C'est très, très bizarre quand on dit ça. Mais pourquoi? Mais gros, arrête, bip bip! C'est n'importe quoi. Quel joli nom! De la part d'un gros, ça fait toujours plaisir. Voulez-vous tester ma capacité maintenant? Non, surprends-moi pas. Non. Non. Mais c'est juste un concentré de cochonnerie, c'est pas possible. On est invité par un gars chelou qui a trois fois notre âge dans une ville de youtubeurs. On arrive, on a littéralement une pièce, c'est une prison. On est espionné par un putain de drone robot qui nous regarde sans arrêt, qui nous filme sans arrêt. En plus, avec une vue bien plongeante sur le décolleté. Et sa première proposition, c'est voulez-vous tester mes capacités maintenant? Et on peut surprends-moi. C'est pas possible, il est incroyable. C'est incroyable. Allez, surprends-moi, petit. Il s'agit d'un point d'enregistrement dont vous pouvez vous servir pour enregistrer vos vidéos. Vous pouvez trouver des points comme celui-ci un peu partout en ville. Le fameux point. Le point qui permet de filmer. Normal. Bip bip! Rentre dedans! Utilisez point d'enregistrement pour enregistrer votre premier vlog d'introduction pour la chaîne. Du coup, faut voir quel style de vidéo on va faire. Et si je vais pas faire un vlog, monsieur? Et si je vais être. En même temps, non, c'est vrai que ce vlog, c'est parfait pour nous. Un petit contre-plan plongé, un peu plongeant. Un contre-plongé plongeant, ce qui ne veut rien dire, mais on est d'accord. Enregistrez vos premiers vlogs. D'accord, qu'est-ce qu'on doit faire, messieurs? Oui. Enregistrer une vidéo. Hey, salut les copines, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous montre comment. Attends, mais c'est trop glauque parce qu'ils l'ont fait beaucoup trop jeune. Ça, c'est con, c'est vraiment mal foutu. Ils auraient dû les faire beaucoup plus vieilles. Là, c'est extrêmement glauque en fait. On va dire qu'elle est majeure et puis c'est juste qu'elle fait jeune, d'accord? Parce qu'autrement, c'est beaucoup trop glauque. On va se mettre d'accord tout de suite là-dessus. Donc, elle s'appelle Vanessa, 21 ans, et elle veut devenir streameuse professionnelle parce qu'elle a toujours rêvé de ça.
Spoiler, pas du tout, elle veut juste être une e-girl. Parce qu'elle a vu qu'il y avait plein d'argent à se faire. Hashtag domicile, hashtag vlog, les fiches! Elle a 25 ans, elle a fait du botox et tout, exactement, elle est botoxée, monsieur! Elle veut être une star du porno. Mais je sais pas de quoi vous parler! Je dois faire quoi? On peut choisir la caméra, tendance, domicile, vlog. Donc c'est les tendances du moment pour hyper un petit peu. Vlog niveau 1, abonné, nouveau, durée 2 heures. Elle va prendre 2 heures pour enregistrer, parce que si c'est 2 heures de vidéo, comment dire? Et je dois faire quoi concrètement, moi? Je dois choisir les plans. C'est tellement glauque. C'est incroyable. Quel plan peut être à la mode en ce moment, monsieur? Je dois faire quoi? Vous commencez. Vous entrez pleine d'énergie. Hello les filles! Comment est-ce que vous allez? Vous reprenez une personne qui n'a pas aimé une vidéo précédente pendant que... J'ai pas fait de vidéo précédente, pensez que c'est une bonne info. Vous flattez. Vous avez un fou rire. Tout à fait. Vous avez été impitoyable avec les haineux de la vidéo précédente, mais vous flattez. Après, c'est que ça, je cache vos, la vie, les vignettes. Vous avez un fou rire, vous êtes en mode détente. Précédent, mais vous avez un fou rire. Quoi? Vous avez... Je sais pas. Encore un fou rire de plus sur un fou rire. J'ai absolument... Oula. Pour être là, vous demandez à avoir des abonnés. Vous déconnectez. J'en sais strictement rien. Je... Ouais. D'accord. On est tout à fait d'accord. Les gens ont kiffé, vraiment. C'était exceptionnel. Tant clip. On peut mettre des noms, comment ça se passe? Non, on peut me faire le montage à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas? J'en ai aucune idée. On verra bien. Enregistrer votre première vlog. Terminé. Je veux pas dire, mais en fait, c'est facile ta vie. Elle est tellement simple. Ça se voit bien que c'est comme ça qu'on est youtubeur. Bien joué, Vanessa. Maintenant, nous devons publier votre vidéo sur YouTube et pas sur d'autres chaînes. Faut que je fasse gaffe de ne pas prononcer d'autres mots. Parce que c'est vraiment tendancieux. C'est... Ah, merde, je montrais avec la souris, mais vous voyez pas ma souris, c'est con ça. Tout d'abord, nous allons retoucher un petit peu en la modifiant sur votre ordinateur. Mais avec grand plaisir, écoute. Touche là, dans tous les sens. Publiez votre première vidéo. Avec grand plaisir. Là, c'est comme l'ancien. Donc, on y va et on va cliquer dessus. Je sais pas, voilà. Éditer la vidéo. Alors, on a tous nos plans. Voilà, donc logiciel de montage. C'est comme ça que, bien sûr, que les youtubeurs font leurs vidéos. Cet outil est l'éditeur de vidéos. Vous pouvez l'utiliser pour éditer vos vidéos et y ajouter vos touches personnelles. C'est bien sûr le but d'obtenir le plus de points possible. Assurez-vous que les clips s'enchaînent correctement. Si vous parvenez à le connecter du début à la fin de la vidéo, vous obtiendrez un bonus très intéressant. Plus tard, lorsque vous aurez un meilleur ordinateur avec plus de points de rendu, vous pourrez acheter les effets vidéo et les utiliser dans vos clips. Parce que forcément, un ordinateur claqué, là, on peut pas mettre d'effets, c'est la merde. Maintenant, je vais laisser le génie créatif libérer son imagination. Il y a tellement de mots dedans. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est incroyable. Donc, deux souvenirs. On doit placer point de rendu. Voilà, le problème, c'est qu'en fait, plus t'en mets... mais du coup, j'ai pas de connexion. C'est le problème, c'est que si je mets mon intro, j'ai rien qui sort là. J'ai pas un 2-2. C'est le problème, on est d'accord. Ouais, ça se connecte pas. Ce qui veut dire que c'est la merde, en fait. Ce qui veut dire que c'est la merde, messieurs. 28 édition x2. En fait, je suis coincé, littéralement. 32. Bah écoute, j'ai fait une super vidéo là. Vraiment, elle est pouf. Je dis salut les copines. Au revoir les copines. Publiez les vidéos les copines. Je vais essayer la vignette. Est-ce que ça me paraît totalement cohérent, non? Bienvenue sur la chaîne la plus haute du YouTube Game. Le meilleur vlog, vous ne croirez pas ce qui se passe à la fin. Visibilité. Moment de détente avec domicile. La fin vous fera mourir de rire. Ah bah non, attends, une phrase piège à clic. Morale des abonnés. Le vlog le plus attendu de l'année. Bah attends, non, faut être putaxier. Il gère les hashtags et tout le bordel. Parce qu'en ce moment, c'est hashtag domicile. Mais je peux pas du coup rajouter un hashtag vlog. Parce que c'est vachement à la mode le hashtag. Voyez-vous. Bon, écoute, allez, publie. On va rester sur du putaclic. Il faut qu'on se fasse connaître avant de pouvoir montrer nos attributs. Oh là là, tout like pour cette vidéo d'une qualité exceptionnelle. Vidéo publiée moment de détente avec domicile. La fin vous me fera mourir de rire. C'est le truc le plus putaclic du monde. Pourquoi t'es triste? T'as quand même 3 d'enregistrement.
Bon, tendance est un peu claquée, mais écoute, on a fait ce qu'on a pu. C'est notre première vidéo. Je récupère absolument rien. Bip bip, prenez votre téléphone et installez l'application YouTube. Avec plaisir. Vous pouvez consulter la vidéo que vous venez de publier et aller voir le classement des autres youtubeurs de la ville. Votre objectif, gagner des tas d'abonnés. Pour dire que j'en ai la plus grosse. Parce que forcément, de gros youtubeurs, si t'as moins que les autres, bah ils te parlent pas. Comme dans la vraie vie. Voyez-vous. Installez. La fameuse application, monsieur. Oh, c'est high-tech. Vanessa, classement 100e. On est la pire youtubeuse de la ville, monsieur. La pire! Changer de nom. Je veux pas changer de nom de mon petit. Non, ok. Vanessa. J'attends. C'est tellement n'importe quoi. C'est validé. Principe des tendances. Chat, Deity of War, Oni Play Studio One et Adventure. Ok. Découvrir l'application de YouTube. Terminé. Une femme triste, une femme faible, fonce. T'as vu que je peux aussi enregistrer des scripts commentaires sur l'ordinateur? Pour mettre des faux commentaires? Le script sont un type de vidéo, je ne sais pas comment enregistrer sans ça. C'est quoi un script commentaire? Ok. Chaque fois que l'on enregistre avec un script, on améliore la qualité de la vidéo et c'est ainsi que l'on obtient de meilleurs clips. Tu veux genre dire que les youtubeurs ils préparent des textes et tout à l'avance? Mais non! C'est pas possible. Genre, il travaille, j'y crois pas une seule seconde, monsieur, c'est un mensonge. Commentaire pour voir si vous pourriez obtenir vos premiers 30 abonnés à votre chaîne. Allons voir les commentaires, messieurs. La chaîne Vanessa va progresser et obtenez 30 abonnés. Voilà notre premier objectif que nous allons appliquer à la lettre, parce que nous sommes des machines. Bon, est-ce qu'on peut faire une première vidéo, je sais pas, dans le lit par exemple? Je dis ça comme ça, c'est vraiment une. Ah, par contre, c'est très gênant que tu me filmes sans arrêt, vraiment. Va falloir arrêter ça tout de suite. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis censé faire quoi? Commentaire. Vous commencez et. Le problème, c'est que vous voyez peut-être pas les cartes bien. Vous dites timidement bonjour. Mais non, je pète la forme, s'il te plaît. On n'est pas là pour faire un truc nul. Votre téléphone sonne, vous n'avez pas là un moment de répit. Vous voulez flatter, vous pensez que c'est une bonne info. C'est votre mauvaise blague. En fait, c'est du montage, donc on. Mais ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. J'aimerais comprendre. Un esprit frappeur apparaît, c'est votre mauvaise blague. Quoi? D'accord. Vous déconnectez, ça sera terminé. Je. Non mais. Mais monsieur? D'accord. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. Déjà là, ça a beaucoup mieux connecté. Là, on a tout qui se connecte, donc ça va aller mieux pour le montage. On le sauvegarde parce que c'est bien sûr des clips d'une qualité irréprochable. Vous devez éditer et publier une vidéo sur l'ordinateur pour être un véritable youtubeur. Commentaire. Le fameux dossier. Bon, l'avantage, c'est que là, je peux tout connecter. Du coup, ça s'améliore en montage. Attends, est-ce qu'il y aurait moyen de faire mieux? Non. Je ne crois pas. C'est bon, je peux publier? Publier une vidéo. Alors, la miniature. Écoute, ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Morale des abonnés. Ils vont pas trop kiffer, c'est le problème. Le meilleur commentaire de hashtag domicile. Si ça, c'est pas du putaclic de qualité, je ne m'y connais pas, monsieur. Publié. Là, on a tout ce qu'il faut pour être, pour cartonner. Pour être une youtubeuse. De like? Vous êtes pas en train de vous foutre de ma gueule, bordel, les gars? Faut laisser des commentaires à un moment. Ça aide. Score final 1,5. On y va petit à petit. Faites attention, nous sommes proches du but. Encore un peu d'effort. Oh là là, mais j'ai explosé avec cette vidéo. Obtenez 30 abonnés. On est une star, c'est bon. 66. On n'était pas loin d'un chiffre un peu plus intéressant pour une e-girl. Dring, dring. Oui, Xavier, dis-moi tout. Il est déjà minuit, il est temps d'aller se coucher. C'est de plus en plus bizarre, Xavier. Si en plus tu viens me dire quand je dois aller me coucher, c'est vraiment bizarre. Faut arrêter, Xavier. Tu peux rester en éveil jusqu'à 4h du matin, mais tu ne pourras pas restaurer toute ton énergie pour le lendemain. Bon, bonne nuit, Vanessa. Je t'ai prêt demain matin pour dire quelque chose d'important. C'est tellement bizarre. Mais bon, écoute, on a gagné plein d'abonnés. Et au final, dans la vie, est-ce qu'il y a autre chose qui compte? Je ne crois pas. Ça vaut la peine de vivre en prison en échange d'abonnés. Merde, quoi! Des abonnés, vous vous rendez pas compte! Confirmé, je vais pas changer, je suis très bien comme ça. Voyez-vous. Il fait un peu froid dans cette prison quand même. Je sais pas ce que vous en pensez.
C'est particulier quand même. Et c'est le dodo cette première nuit. Let's go! Résumé quotidien. Moment détente avec domicile. 3 likes, 1 dislike. Je gagne 4 pièces, 37 abonnés et 74 vues, monsieur. Le meilleur commentaire de. C'est. Ça a moins... Ah, ça a moins marché d'ailleurs, tiens. Est-ce qu'elle est assez moins longtemps en ligne ou c'est vraiment qu'elle a moins marché? C'est honte 2, qu'est-ce que vous faites? Classement, top 100, top 75. Valeur de votre maison, 13 000. D'accord, écoute, je suis tout à fait d'accord. Mardi 2, printemps, en 1. C'est particulier comme, comme tendance. Des choses intéressantes peuvent se passer même les jours normaux. Merci, les tendances du jour. Chat, Date of War, Oni, Armored Nucleus et Adventure. Chat, hashtag chat, il faut que je... Faut que je chope un chat en fait. N'est-ce pas? J'avoue qu'il est censé avoir 13 K de valeur de la maison. Faudra me dire où. Parce que là, rassure-moi, c'est le terrain qui vaut 13 K. Parce que si c'est le reste, ça va être compliqué. Drink, salut Vanessa. Je viens de voir les vidéos que tu as mises en ligne sur ta chaîne. Elles sont bonnes. Comment tu veux rester sérieux? Elles sont trop bonnes. Mais peut-être as-tu remarqué qu'elles ont été, peu visionnées. C'est parce qu'elles ne sont pas en tendance. Tu ne montes pas assez, Vanessa. Je te le dis tout le temps. Vérifie les tendances quotidiennes pour enregistrer et publier des vidéos au goût du jour. Tu obtiendras ainsi plus de visites et d'abonnés. Et c'est tout ce qu'on veut dans la vie, on le sait bien. À quoi bon être heureux quand on peut avoir des abonnés et de l'argent et des likes? Tout ça, monsieur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Me prostituer sur YouTube? Comme dans la vraie vie? Let's go! Projet. Non, faut que j'enregistre. Espèce de feignasse, je peux sortir? Monsieur, on en parle que je peux pas sortir? C'est très bizarre, il faudrait me laisser sortir en fait. Là, je commence à flipper. Je dis ça, je dis rien, mais je commence vraiment à flipper. Free Vanessa. La petite référence, monsieur, qu'on aime. 0 sur 3, j'ai aucun projet en cours. Comment je fais pour enregistrer? Ah, j'ai un problème. Je suis censé faire quoi? Fais attention aux tendances du jour dans la ville. D'accord, ça j'ai bien compris, mais elles sont réparties selon la popularité comme suite. Inconnu, normal, bien connu. Ah oui, ok, les couleurs. Sujet tendance, très bonne notoriété. D'accord, donc en gros, il faut du violet, jaune ou... C'est pas très logique en fait, que le jaune soit là, je sais pas, j'aurais plutôt mis plus bas. Le mieux, c'est le brun. Bon, faut s'en rappeler, c'est compliqué à se rappeler ça. Le jeu Days of War est maintenant assez populaire, mais si tu vois une tendance de grande notoriété ou un sujet de tendance, tu dois saisir cette opportunité. Exactement. Même si ça ne t'intéresse pas. Les tendances changent chaque jour et tu peux également découvrir dans toute ta ville. Est-ce que je peux sortir, Xavier, s'il te plaît? Je dis ça comme ça. Il faudrait me laisser sortir, là, à un moment. Ça devient gênant. Vois-tu? Contact. J'ai Xavier, mon fameux ami. Cadeau, profession, directeur. C'est le directeur de la ville. Normal. C'est tout à fait cohérent, monsieur. Je n'ai pas de journal actuellement. C'est qu'il a l'air très très complet. Ça, c'est vraiment cool, par contre. Je vous avoue, pas encore classé. Écoute, relation 3 cœurs. Xavier, tu vas te calmer, on t'a dit. Youtubeur séquestré. As-tu constaté que les vidéos les plus à la mode parlent de jeux vidéo pour enregistrer ce type de vidéo? Mais on est vraiment une e-girl. Hey, au fait, les vidéos les plus à la mode, c'est les jeux vidéo. Si je faisais du jeu vidéo, comment ça, j'ai jamais joué? On s'en fout, on mettra une petite case tout en haut. Et puis moi, en gros, comme une vraie e-girl. Tu dois installer un coin jeu chez toi. Il faut qu'on installe un coin jeu chez nous. Parce que le PC, il n'était pas suffisant. Tu parles de quel type de jeu, là? Ça devient de plus en plus bizarre. Consultez les tendances sur votre téléphone portable terminé. Installez un coin jeu dans votre chambre. Wouh! Coin jeu! Génial! Qu'est-ce que je suis censé faire? Un espace de travail. Le fameux coin jeu. Voyez-vous. Où est-ce qu'on peut placer notre coin jeu, messieurs? Faire tourner. Est-ce qu'on le casse genre comme ça? Ça me paraît tout à fait idéal. Placé. Ah, c'est incroyable. C'est quoi? Parfait, tu viens installer ton coin jeu désormais. Tout ce dont tu as besoin, c'est un jeu et d'une console. Tu pourras commencer à enregistrer des vidéos sur des jeux vidéo. Waouh. De nombreux youtubeurs publient du contenu de ce genre. Essaye de trouver les jeux vidéo les plus populaires. N'est-ce pas? Au fait, je t'ai commandé un jeu et une console pour commencer.
Va discuter avec Blair, la fille du magasin de jeux vidéo Player One. Elle te les remettra. Gros, bip bip, je viens d'installer une application avec un plan de la ville sur votre téléphone. Consultez l'application carte si vous ne voulez pas vous perdre. Genre, j'ai le droit de sortir enfin? Vous m'autorisez à aller faire un tour dehors et tout? Vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands fous. Parlez à Blair. Oui, monsieur, je peux sortir. C'est incroyable. Alors. C'est intéressant. On peut prendre une trottinette et tout. Faut payer ou pas? Il vous faut un permis pour conduire des trottinettes. Vous pouvez en obtenir à l'hôtel de ville. C'est bien connu. Je suis con aussi, j'osais vouloir conduire une trottinette. Hashtag Arc de Triomphe. Ok, mille gris, donc c'est claqué. C'est genre pas grand monde connaît ça, non? On est d'accord, si c'est en gris, c'est que c'est un peu claqué le truc. Logiquement, ils expliquaient les couleurs changeaient. Gris, c'était genre le truc inconnu. Toi, genre l'Arc de Triomphe, franchement, tu vois ce que je veux dire. Par contre, c'est joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, monsieur. La Playcon. Là, c'est vraiment le Graal de la girl. Quand t'arrives à ça. Oh, il y a un chat! Comment je fais? Enregistre-moi! Selfie! Je sais pas, fais quelque chose! J'ai pas un truc appareil photo? Non, pas du tout. Oh! Mais il y a un chat, monsieur! Il y a un chat, vous vous rendez compte? Filme-moi en train de caresser le chat! Si ça plaît pas, je ne m'y connais pas, monsieur! Ça peut que... Non mais tu vas pas passer la matinée à caresser un chat. Je sais que ça te donne beaucoup... T'aimes beaucoup ça, mais quand même. Non mais arrête de caresser le chat, bordel! Ça fait 30 minutes qu'elle se caresse le chat! Ah bah merci! 30 minutes de perdu à se caresser le chat. Ah, c'est pas possible, ces gamins. Ils sont intenables. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je suis censé faire quoi, les gens? J'en sais rien. High fashion, bah ça c'est des magasins. Là j'ai changé, ok. Donc là j'ai changé de quartier. Donc on retourne dans notre quartier. Et on est censé trouver des trucs pour pouvoir enregistrer des vlogs. Des vlogs toujours plus à la mode. Le problème c'est que je sais pas trop à quoi ça ressemble. Est-ce que je peux enregistrer des vidéos quelque part? Ah c'est comme en Espagne ça. Ils sont espagnols la boîte qui fait ça? C'est vraiment ça, c'est des trucs de Correos. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Ah peut-être en Angleterre, je sais pas. Qui est cette forme en Suisse et en France, que là c'est pas le cas. En France, quoi que, je sais plus à quoi ça ressemble. En Suisse, en tout cas, pas, c'était pas le cas, monsieur. Parce qu'en fait, c'est un truc commun. Puis je m'en étais jamais rendu compte. C'est possible. Et là, du coup, ça amènerait vers le port. Bon, ça, ok, mais moi, je fais quoi? Comment j'enregistre des vidéos toujours plus high-tech et incroyables? Est-ce que tu es intéressant? Parce que faut parler avec des gens qui sont intéressants pour toi, pour ta carrière, sinon ça sert à rien. Je ne te connais pas, tu es nouvelle en ville. Je m'appelle Vanessa. Et je tiens la chaîne Vanessal. Je m'appelle Dixie. Oh, monsieur Dix, vous nous avez caché votre apparence. Je vais juste connaître ton nom. J'aime savoir qui traîne dans mon quartier. Ok. Pas de problème. Il y a le métro pour pouvoir aller plus vite. Ça, d'accord. Mais je fais quoi concrètement là? Président d'une YouTube City. Avez-vous entendu? Gianni aurait se présenté comme maire. Cet homme pense que la ville lui appartient. Saleté, Gianni. Résident. Ah ok, pas président, c'est résident. C'est pas pareil. Il y a une grosse différence entre les deux. T'as une quête en bas à droite. Coucou à vous, monsieur Ferret. Parlez à Blair. Ah oui, très bonne remarque. Blair, t'es où? Mais comment je sais où est Blair a quelque chose pour vous? Allez lui parler au magasin de jeux vidéo Player One. Effectivement, j'ai la mémoire d'une... Ah bah, écoute. Je rigolais, bien sûr, j'avais totalement anticipé. Je savais exactement où on allait. Vous pouvez pas comprendre. C'est... Je suis un génie, monsieur, c'est tout. Salut, mon Blair, comment vas-tu? 50% sur des jeux? Ah, j'imagine que c'est des vieux claqués, du coup. C'est pas forcément fou. Oh, les salauds. Oh, oh je sais pas si c'est un clin d'œil un peu méchant. Mais mettre PUBG à 50%, c'est pas cool, monsieur. Et R6. Ils auraient pu mettre R6 dedans, là, clairement, dans les jeux à vendre. Ça aurait été plutôt cohérent. On est sur la Xbox 360 ou la PlayStation 5, ce qui n'a absolument aucun sens. Attends, on est d'accord, ça ressemble à... Là, sur l'image, c'est la PlayStation... Je vais monter avec la souris, ça marche pas. C'est la PlayStation 5, ça! Alors que ça, c'est la 360. D'accord. Ah non, PlayStation 2, elle ressemblait à ça, peut-être? Non, elle ressemblait pas à ça. Elle était... Non, enfin, je l'ai là derrière, la PlayStation 2, elle ressemble pas du tout à ça. Écoute, il n'y a pas vraiment de logique, d'accord? Voilà, monsieur, laissez-moi tranquille. Il faut qu'on aille. On me dit PS3. La PS3 ressemblait à ça?
Ah, je me rappelle plus la PS3. Je ne me rappelle plus, je t'avoue. Alors, toutes les dernières nouveautés en matière de console et de jeux vidéo. C'est la 5 à gauche. Ouais, il me semble que c'est la 5 sur l'affiche, quoi. Arma Nucleus. Donc, le truc. Unai Play Studio. On pourrait pas aller l'acheter à prix cassé. Tu vois, il est là à prix cassé. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'achète du coup la console qui va. Ah merde, c'est pas du tout ça que je voulais acheter. Oh le con. Il m'a même pas demandé de confirmer quoi que ce soit. Non, c'était l'autre que je voulais. Du coup, je dois acheter à la Xbox. En même temps, 300 prix, mais j'ai pas l'argent pour. Bah, je fais comment? Oh le con, je viens d'acheter un truc sans faire exprès. Ah bah ça commence bien ma journée. Ok, mais si j'ai pas la console, t'as acheté un 6. Je fais comment moi? Sans console? Hein? C'est trop cher, j'ai pas l'argent pour une console. Mais le jeu, pourquoi tu m'abandonnes? Bon, t'as Tomb Raider qui est jeu du moment. Mais je suis censé. Ah bah parlez en fait, fait que je rentre dans son truc. En quoi puis-je t'aider? Je rentre dans son truc. Je veux au nom de Xavier. Tu es la nouvelle youtubeuse en ville. Viens, Xavier m'a appelé pour me demander de te donner ça. Dis-moi tout. La console Only Play Studio One. Et le jeu Death of War. Sauf que j'ai acheté un jeu 360, donc il sera pas compatible. Wouhou! J'aime dépenser de l'argent pour rien. Tous les articles que vous obtenez sont rangés dans votre sac. Le sac a une capacité de rangement limitée. Je peux pas revendre mon jeu. Même si je perds un peu d'argent, c'est toujours mieux que perdre tout. Voyez-vous, je suis un peu dans ma déception là. Pourquoi j'ai acheté ce vieux truc claqué là? Dis-moi que tu rachètes les jeux. S'il te plaît. Xavier, j'ai acheté un jeu sans faire exprès, j'ai plus d'argent. As-tu déjà récupéré le jeu et la console? Oui. Tout à fait. Maintenant, enregistrons ta première vidéo gameplay. Oh yeah! Mais attends, parce que je peux pas te vendre mon bordel. Je t'en supplie, dis-moi que je peux te vendre des trucs. Putain, je me suis vraiment fait pigeonner là. Bon, pour en on en est, on va acheter PUBG. Écoute, on investit tout pour la Twitch Money. On est prêt à tout, monsieur, tous les sacrifices. Même acheter des jeux qu'on ne pourra pas utiliser. C'est pour dire à quel point je suis un grand fou. Ok, donc la ville est là. Ma maison, elle était où? J'en sais rien où j'habite. Voyez-vous, là, c'est on a dû prendre ça. C'est ici, tu crois qu'on habite? Je sais pas, j'avais pas de, rien qui était marqué. Oh là là, on a trouvé d'autres maisons. Mais on est trop doué. Pour t'acheter un iPhone. Bip bip, pour enregistrer une vidéo gameplay, vous devez d'abord sortir le jeu et la console de votre sac et installer dans le coin jeu. Ensuite, sélectionnez le jeu et commencez à enregistrer. Bip bip à vous. Alors, écoute, je suis équipé d'une. Passe dans la maison, enfin. Attends, aïe aïe aïe. Oui, j'aimerais bien la placer en fait. Ouais. Je suis obligé de la placer. Hein? Bah, mais là. Mais quoi? Il est un peu con le jeu. Je vais quand même pas te la mettre par terre. Stocker ici. Mais j'avais anticipé, je savais, Ferré. C'était juste pour vous faire parler. Vous le savez bien. Bon, du coup, maintenant que j'ai mis mon incroyable console, est-ce qu'on peut jouer? Je dis ça comme ça. Donc à Oniplay. Ah non, mais je dois stocker aussi les jeux. Oh, c'est compliqué. Bon, autant les jeux là. Attends, comment je fais? Maintenir placé dans la maison. Attends, si je clique stockage, je peux du coup. Ah voilà, je peux mettre comme ça directement. Ce qui est bien plus simple. Bien ce petit jeu, franchement, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est très drôle. T'as un côté second degré e-girl que j'adore. Voyez-vous. Bah, du coup, ça ne me sert pas à grand-chose. Ah, mais Satan, mais je viens de comprendre! Tout à l'heure, ils ont fait la blague Rainbow Six. Je trollais en disant, en pensant qu'ils se foutaient de la gueule parce que j'ai un peu claqué en ce moment, il n'y a plus de hype. Mais non, c'est vraiment Rainbow Six, j'avais pas lu le truc. Rainbow Six. Oh merde, j'avais pas vu. J'avais absolument pas fait gaffe. C'est vraiment littéralement Rainbow Six. D'accord, pas de problème. Enregistrer une vidéo, faux. Du coup, genre, c'est le jeu à la mode du moment, apparemment, ça. En même temps, PUBG, monsieur. On va quand même y aller. Gameplay tutoriel, ok, il y a différents styles différents comme l'ancien. Voyez-vous, on peut jouer. Est-ce que la caméra, ça a vraiment une importance ou c'est purement esthétique? Si on est une véritable e-girl, faut un plongeant, voilà. Là, c'est la caméra la plus plongeante possible. Voyez-vous, enfin. Attention, pour démarrer la vidéo, vous entrez pleine d'énergie.
Mais non, mais c'est. Parce que du coup, faut que je gagne des cartes en plus, j'imagine. Bon, c'est chiant au niveau du. Bon, vidéo, je vous verrai peut-être pas bien les cartes, mais bon, tant pis. Vous militez, vous avez été empoisonné, votre personnage tombe au sol. Vous commentez techniquement. Vous commentez techniquement. Vous expliquez l'histoire. Je viens de me faire empoisonner. Aïe, aïe, aïe. Il y a une mission chronométrée. Vous expliquez l'histoire, vous militez, vous la passez. Une mission chronométrée? Vous militez? Hein? D'accord. Plus vous demandez à avoir des abonnés, ça sera terminé. Vous déconnectez, ça sera terminé. Mais non, les abonnés. Je veux des abonnés! Offrez-moi des abonnés! Merci bien, on est on fire, monsieur! Alors, j'imagine qu'il y a une optimisation à faire au niveau des petits smileys. J'ai absolument. Oh, 4 étoiles! Et mais on est un demi-dieu de l'hype! Clairement, là, messieurs, c'est la folie. Et ça, c'est le. Ah, les chiffres, c'est la qualité de l'enregistrement, j'imagine. Logiquement. Donc là, on est en train de faire une vidéo, mais complètement incroyable! Ton but est d'avoir les étoiles en haut des emojis. D'accord. Il y aura un DLC à la conquête de. Ah non, qu'on ne citera pas. N'est-ce pas? Donc, est-ce que je suis obligé de commencer? Oui, je commence par celui-ci. On est en bas. Le problème, c'est que là, pour le connecter, je suis obligé de passer par en bas. Ah, mais du coup, après, je ne serai pas connecté non plus. Ah, bah, c'est la merde, monsieur. Mon édition, elle va être claquée. Logiquement. Bon, on va claquer cette vidéo bien pourrie. Oh, olé, olé, là! Aventure, secret révélé. Pas mal celui-ci. Mais pas assez de hype. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Pourquoi vous devez devenir un fan de domicile? Bien sûr! Si avec ça on cartonne pas! N'est-ce pas? Oh là là, 10 likes, 0 dislike! La hype comme. Et toi, elle fait plus de likes déjà que moi sur mes vidéos YouTube! On n'en fait plus autant de likes, messieurs! Vidéo publiée, preuve de. Ok, c'est bon. Enregistrement il est parfait, édition il est claqué. Tendance 2. Score final 2,5, monsieur! On n'a jamais monté aussi haut! On commence à avoir une hype totale et absolue. Publie un gameplay. Ouais. Ouvrir le colis. Dis-moi tout. Salut Vanessa. Je me suis dit que tu serais affamé avoir enregistré et édité tant de vidéos. Alors je t'ai envoyé quelque chose à manger. Profites-en bien. Merci Xavier. Mais c'est toujours aussi bizarre Xavier. Ah oui merde, faut que je mange. Je suis éclaté. Vous pouvez pas enregistrer ou éditer de vidéos si votre énergie s'épuise. Effectivement, il y a un petit problème. Pour faire le plein d'énergie, vous pouvez manger quelque chose, vous endormir. En dormant, vous passerez au jour suivant. Le problème, la raison de la hype. Xavier vient de vous envoyer de la nourriture, ouvrez votre sac et mangez quelque chose. Non, je veux pas manger quelque chose à Xavier. Vraiment, faut me laisser tranquille, monsieur. C'est pas possible, là. Vous faites pas d'effort. Ouvrez votre sac. Hamburger. Je peux le vendre, le gars un peu accro. Manger. Miam, miam. Je veux pas devenir vidéaste cuisine. Votre énergie est restaurée. J'ai marqué pour vous le restaurant de la ville sur la carte. Le problème, c'est que je suis pauvre. Vous pouvez aller au restaurant pour manger ou prendre des plats emportés. Consultez la carte quand vous le souhaitez. Bip, bip à vous. Merci, gros. C'est gentil. Donc, j'ai de l'énergie. J'ai une vidéo. Elle est publiée, ma vidéo, du coup, ou pas? J'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'on a publié la vidéo? Terminé. Pourquoi devait une heure? Il faut attendre une heure qu'elle sorte, c'est ça? Bientôt, du coup, j'imagine? Ou elle est sortie à une heure, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Différents points, on peut aller faire des choses. Putain, mais c'est super complet, c'est impressionnant. De ring à vous, Xavier. Maintenant, pourquoi ne profiterais-tu pas d'un moment de détente pour explorer la ville? Tu es nouvelle dans la ville et tu dois rencontrer des gens, te faire des amis. T'aidera certainement dans ta carrière de youtubeuse. Il faut savoir sucer le waifu, monsieur. Dire, hey, salut toi! Comment ça va? Oh, t'es vraiment cool, alors que tu peux pas le blairer. Bien sûr. Pourquoi n'irais-tu pas faire leur connaissance? Faites la connaissance de 10 voisins. Carrément 10. C'est la folie. C'est la folie, monsieur. Salut, voisine. Il fait un peu nuit, ça a l'air, c'est un peu bizarre. Je peux pas leur parler, en fait. Parce que c'est la nuit, logiquement. J'imagine. Moi, je peux pas parler. Il veut pas me parler, c'est... Hé hey. J'ai passé l'abonné pour que tu me parles. Sale chouin. Mais vraiment, ils veulent pas me parler. À cause de quoi? Et pourquoi les gens sont fâchés? Ça correspond à quoi le fâché? Est-ce que je fais trop de putaclic? Mais je suis une e-girl, merde. Mais je peux pas leur parler, je comprends pas. Il se passe quoi? Hé eh pas... Mais tout à l'heure, je pouvais parler aux gens en se mettant devant, en appuyant espace.
D'accord. Ah, toi tu veux bien. Que la boxeuse serpent de feu pourrait revenir sur le ring. Ouais, enfin, sauf que là, du coup, c'est des vrais persos à qui je dois parler, pas juste des randoms. Toi, t'es une random, t'es juste une résidence à la... T'es pas un vrai personnage qui m'intéresse. Ta vie n'a pas de valeur à mes yeux. Puis c'est tout. Voyez-vous. Donc là, du côté du port. Et on peut voir que c'est la folie. Oh, salut toi. Ben voilà, une dernière personnage. Salut voyageux, je suis Agora, exploratrice du monde et collectionneuse d'objets uniques. Incroyable et mystérieux. Tu vois, on commence à connaître des gens. Par contre, c'est 1 heure, faut qu'on aille faire dodo. Malheureusement, la phrase de Suisse. Allez, vas-y, let's go. Moi, j'adore en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve le jeu très sympathique. Et qu'est-ce qu'on se marre surtout, n'est-ce pas? Oh, salut Cassidy. Cassidy, parle-moi! Je t'ordonne de me parler. Je m'appelle Cassidy, tu es nouvelle en ville. Bravo. Je m'appelle Vanessa. Vous êtes tous des commères, t'es la fille horrible. Ravi de faire ta connaissance, Vanessa. J'espère que tu apprécieras la ville autant que moi. C'est un peu bizarre. Hey, salut Robin. C'est donc vrai, il y a une nouvelle venue en ville. Je m'appelle Robin et je suis vraiment très haute. Affectionne les potins. Non, mais sois un peu gentil avec les gens. Je sais pas comment te l'expliquer. Arrête de vouloir harceler absolument tout le monde. Adam, tout ça, tu veux dire. Hey, je m'appelle Adam. Non. T'es pas youtubeur, tu te ferais pas un peu de ma gueule, Adam? Adam, il se fout clairement de ma gueule, là. Bien sûr que t'es un youtubeur, espèce de mytho, c'est la ville des youtubeurs. Saleté! Oh, on est sur du mytho de compétition, là. Sinon, pourquoi c'est tous des enfants? Pourquoi c'est des enfants dans cette ville? C'est très bizarre. Netflow, le fameux Netflow. Le spicy, donc là, il y a le restaurant pour manger. Bon, faut que je rentre. Va falloir qu'on rentre, messieurs. Il est tard, nouvelle journée qui est passée. Il est 3 h du mat, c'est bien trop tard pour nous. Let's go! Dodo, vite, dodo, on a fini. On n'en peut plus. C'est très bizarre. Pourquoi vous devez devenir je sais plus quoi? 8 pièces, 40, 81 abonnés, 158 vues. Putain, j'aimerais bien faire la moitié des abonnés des vues. C'est la folie, donc, classement. Vers la maison, toujours autant claqué. Abonnés 147/10 000. Objectif 10 000, du coup.